on vous avait dit qu'il fallait pas énerver Heihari, 8,67 pour s'échauffer un peu. Et 9,67 pour enfoncer le clou, il y a du lion dans ce garçon. Dans l'autre demi-finale, on est en terrain connu, Steven Pearson décoche un 8,50, mais ça ne va pas suffire. Comme dit la chanson, on ira très loin si tu veux, et Hira a l'intention d'aller très loin, au moins jusqu'en finale. Je pense même pas maintenant. Je pensais quand j'y serai. Allons. La finale 100% tahitienne s'annonce serrée. Heihari survolté sort la grand voile et s'offre un double tube à 9,40. Pour un peu, on croirait qu'il s'amuse. La réplique d'Ira est plus timide, avec 8 points. Mais à ce petit jeu, rien ne résiste à Heihari, déchaîné plus que jamais. Le Tahitien peut remercier le ciel, aujourd'hui il est de son côté. Hira n'a pas dit son dernier mot, et en toute simplicité, il se paye un 10. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Heihari Williams remporte la finale et s'envole sur son petit nuage. Il n'en revient pas, ce gamin de 19 ans, ce qu'il vient de faire s'appelle un exploit. Heihari Williams est le magnifique vainqueur de ces trials 2006. Une année en or pour le surf tahitien, puisque avec Heihari, ils sont 4 à se qualifier pour la Billabong Pro. Hira Terinatofa, Steven Pearson, Kevin Johnson et bien sûr Manoa Drolet, le vainqueur de l'année dernière.